contre, il y a le Cassav cosmétique et les musiciens utilisent justement ces maquillages. Alors, on va les montrer, on va faire un plan. D'abord, la volonté de traduire un mode de vie, un style de vie, un courant, le courant zouk, le phénomène zouk. Et naturellement, toute vulgarisation passe par la commercialisation, mais le désir profond, c'est traduire un mouvement et un courant de pensée. Quant à la ligne de vêtements, on a déjà fait toutes les ébauches, on travaille encore dessus, on n'est pas encore tout à fait satisfait des résultats. Bientôt, ce sera prêt. Alors par contre, il y a le Cassav cosmétique et les musiciens utilisent justement ces maquillages. Alors on va les montrer, on va faire un plan. Tu nous as emmené quelques produits qui sont ici. Il y a M. Cohen qui aurait dû venir normalement, mais qui n'a pas pu être des nôtres. Il n'y a pas que les musiciens qui l'utilisent maintenant. Il y a un grand nombre d'Africains, d'Antillais de France. Et c'est là aussi pour traduire tout ce que nous faisions, les difficultés que les musiciens rencontrent sur la scène. Avec la poussière, les projecteurs, les cheveux se cassent, sont abîmés. Nous avons été obligés de demander à des professionnels de nous concevoir un produit qui pourrait être le plus performant possible pour les cheveux blacks. Très bien. Et vous pensez vous étendre sur quoi d'autre maintenant, après Cassav cosmétique, la boisson aussi, je crois? Il y a plein de choses, mais on va laisser d'abord la place à la musique, parce qu'on a été assez long, et on en reparlera. Pour le plus grand plaisir de ceux qui sont ici et de ceux qui nous regardent également ce soir. Place à la musique. À une époque où j'avais fait un vœu, et je voulais absolument changer des noms comme Viking, Aiglon. Je pensais que ça ne correspondait plus aux réalités culturelles des Antilles. J'ai voulu trouver des noms plus caraïbes. J'ai cherché. Bon, ça a donné un certain nombre de noms. Avant Cassav, c'était Caso. Et Caso, c'était Camille Soprane, parce que on a voulu lancer Soprane comme vedette, parce que c'était la vedette de l'époque. Et puis, bon, ça n'a pas marché. Je suis parti à Paris. J'ai choisi donc Jacob, que je trouvais, pour moi à l'époque, c'était le meilleur chef d'orchestre de la musique de variété antillaise. Oui, alors puisque tout le monde le réclame, on lui dit de venir, vous êtes d'accord? Oui. Jacob. On lui dit de venir. Viens, rentre. Jacob Desvarieux. Oh là là, il est looké. Jacob, ça te gêne pas? Chaque fois que tu arrives sur scène, c'est l'ovation. Qu'est-ce que ça te fait? Ça te fait un truc quand même? Ça m'intimide beaucoup. Oui, il a l'air intimidé. C'est-à-dire que quand tu arrives quelque part et que les gens se mettent à applaudir, tu cherches toujours pour qui, quoi. Tu cherches derrière et puis quand ça tu vois personne, tu te dis c'est pour moi tout ça. Oui. Bon, alors, Pierre-Edouard nous disait le nom. Cassav, il cherchait un nom qui se rapproche. Et puis il y a eu la musique, parce que c'est quand même une musique qui est neuve, quoi. Je veux dire, c'est une musique qui a été complètement créée, qui a fait un courant qui est devenu international, exactement comme Bob Marley et le reggae. Il y a Cassav et le zouk. C'est quand même très important. Alors, comment c'est venu? Comment c'est arrivé, le zouk? Je sais pas, je pourrais pas dire comment c'est venu. Je crois qu'au départ, c'est surtout une plaisanterie, quoi. C'est-à-dire que Pierre-Edouard il est venu un peu comme un illuminé, si tu veux. Il a dit, bon, moi, tu vois, la musique antillaise, bon, je voudrais que ce soit un truc vraiment qu'on écoute partout, dans toutes les boîtes de nuit, dans toutes les télés, toutes les radios et tout. Moi, à l'époque, j'étais musicien de studio à Paris. La musique antillaise, j'avais vaguement entendu ça quand j'étais gosse. Et je me disais, bon, ben, on va essayer, quoi. Je ne sais pas ce qu'il veut, mais enfin, on va essayer. Et puis, on a essayé. Lui, il a amené, si tu veux, sa vision des choses. Moi, je ne comprenais pas trop. On applaudit très fort. Le papa des Décimus. Parce il que est quand même. Parmi vous. Merci. On applaudit très fort, voilà. Mais en fait, c'est incroyable. Merci. Il y a quelqu'un qui m'a répondu.
drame de ce soir, c'est Jacob Desvarieux. Comment s'est fait le choix ? Qui a choisi les artistes ? Sur les artistes. Le choix des artistes, ça a été très facile en fait. On a fait une liste en prenant tout ce qu'il y avait de mieux dans la région. Et puis on a commencé à téléphoner pour savoir qui était libre. Tu vois, alors on a commencé par les présentateurs, n'est-ce pas, qui sont là, que vous pouvez applaudir. Ouais. Merci. Ça, c'était juste pour voir si vous écoutiez, en fait. Et puis, voilà. Et les artistes, en fait, bon, il y en a qui sont pas là, mais ils sont pas là, en fait, parce qu'ils n'étaient pas là au moment où on a téléphoné. Alors, on a pris tous ceux qui étaient disponibles, qui avaient envie de venir, etc. Et c'était très facile. En fait, j'aurais aimé en avoir encore davantage. Oui. Ben oui. Oui, alors, le bruit que vous entendez, ça doit être une bande pour embobine. C'est une bande, voilà. Ça ne nous empêche pas de discuter. Oui. Absolument. Alors, les pas. Projets, Pierre-Édouard. Jacob dira immédiat. Le projet immédiat, c'est le 21, le 22, le 23. Bah oui, c'est-à-dire qu'il y a. À partir de demain. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'à partir de demain, il y a 3 jours de musique au Stade des Abîmes. Oui. Il va y avoir 18 groupes à peu près, dont Malavoie, Tabou Combo, Zouk All Star, Cuco Valoy, Andy Montagnès, etc. Et il y aura Kassav aussi, effectivement, le dernier jour. Oui, accessoirement. Ben, j'espère qu'il y aura autant de monde que ce soir. Je vois ce soir, il y a beaucoup de monde. Le Centre des Arts est plein à craquer. Il y a même eu trop de monde. Bon, c'était gratuit, c'est peut-être pour ça. Demain, ce sera payant, on verra si les gens sont aussi enthousiastes et aussi nombreux. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde, parce que bon, un festival, c'est bien pour le développement d'une région, et on compte beaucoup dessus, on espère beaucoup que les gens nous aideront à faire que ce festival continue à exister, qu'il se refasse l'année prochaine, l'année d'après, etc. etc. Pierre-Édouard, je te trouve bien mélancolique pour un anniversaire. Ben je suis... C'est la fête ou c'est pas la fête ? Je suis comblé. Je suis comblé. Comblé, donc ému. Mais je pense déjà demain, donc... Ah oui, alors ça va être comment, plus tard, l'avenir ? L'avenir, c'est rester au top, parce que c'est difficile. Après, ben, on va essayer de faire un disque de diamant, c'est-à-dire 1 million disque d'exemplaires. De diamant, 1 million d'exemplaires ? Ah oui. C'est en voie parce que je crois qu'en une semaine, on a vendu un peu plus de 70 000 disques du dernier. Ah oui, 70 000 en une semaine. Je suis surtout content. Je dirais que ça se fait. Enfin, non, Jean-Pierre, tu ne fais pas ça, moi non plus. Moi non plus. Mais en fait, ça se fait aux Antilles. Ça se fait. Hein? Bon, se fait. Alors, la seule condition pour contourner tout ça aujourd'hui, c'est d'abord faire un travail de professionnel comme le fait Kassav. Pierre-Édouard de Simus est le fondateur, le créateur du groupe. Aujourd'hui, il reste auteur-compositeur, mais il s'occupe de management. C'est important, il se met plus sur le devant de la scène. Tout en étant au devant, il n'est plus là et il a cédé ce plateau à Desvarieux. Il s'occupe d'organisation quand un disque doit sortir. Qu'est-ce qui doit entourer le disque ? Est-ce les cassettes et disques compacts qui doivent sortir avant le 33 tours pour prendre le devant avant, bien sûr, ceux qui sont là cachés sous la table et qui attendent que d'autres créent pour manger les pirates ? Donc, avec cette stratégie, on va réussir à contourner. Mais il y a un travail colossal à faire. Et il ne faut pas s'attendre à ce qu'aujourd'hui, immédiatement, en sortant d'ici, il n'y ait plus de piraterie. Moi, je dis encore que si Kassav est piraté, c'est que Kassav est le meilleur. Très bien. Merci à vous. Merci.